Page 16 du cahier d'exercice. Vous allez commencer par écrire la date d'aujourd'hui tout en haut sur la ligne support, ici. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, VENDREDI, vendredi 9 avril 2021. Nous allons lire la consigne du premier exercice ensemble. Entoure tous les que tu vois qui s'écrivent avec PH en script et avec PH en attaché. Dans les deux lignes de mots, ici, cherchez tous les PH qui font et dans les deux phrases ici, cherchez aussi le qui s'écrivent PH. Ensuite, vous écrivez le P et le H ensemble pour faire feu en attaché. Donc le P, regardez, il part de ce point. Il monte de, donc le point est sur la ligne support. Il part de la ligne support, penché. Il monte un petit peu, penché jusqu'à la première interligne. Il descend tout en bas, c'est-à-dire jusqu'à la deuxième interligne du bas. Ensuite il remonte et il fait sa petite canne. Voilà, ça c'est pour le P. Et ensuite, après, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on va jusqu'à la troisième interligne, comme le L. Et là, on redescend tout droit. Pourquoi? Parce qu'on refait une canne pour la fin du H. Voilà. Écrivez tous les en attaché. Exercice 3. Entoure la phrase qui correspond au dessin. Puis, recopie-la. Comme d'habitude, c'est toujours pareil. Ici, vous avez un dessin et une des deux phrases correspond au dessin. Il faut l'entourer et après la réécrire ici. Ludo regarde par la fenêtre ou Ludo est au téléphone avec Léo. À vous d'entourer une des deux phrases. Et vous la réécrivez ici. Pareil pour ce dessin ici. Regardez bien ce dessin. Pareil, il faut entourer une des deux phrases. Ludo et Nina visitent un phare avec papa et maman, ou Ludo et Nina visitent un port avec papa et maman. Vous entourez une des deux phrases et vous la réécrivez ici. Et pour le dernier exercice, donc il faut écrire un texte ou deux ou trois phrases si vous pouvez, pour décrire l'image. Mais dans ces phrases, il faut qu'il y ait des mots du dessin dans lesquels on entend le son F. Ici, c'est éléphant. Donc, on peut écrire Nina est montée sur l'éléphant. Point. Ou alors une autre phrase. Elle est sur son dos. Elle est sur le dos de l'éléphant, par exemple. Okay? Les phrases commencent par une majuscule et se terminent par un point.